Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, alors la dernière fois, je vous ai dit que je n'allais pas souvent en os, et puis finalement, j'ai eu l'occasion d'y retourner. Donc évidemment, je ne me suis pas fait prier, hein, j'y suis retournée. Voilà, donc j'ai trouvé des bricoles. Il y a un petit peu moins que la dernière fois, puisque j'y étais allée il n'y a pas très très longtemps. Mais finalement, j'ai pu quand même me faire plaisir. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc on va attaquer par ce qui n'est pas scrap. Il y a juste une bricole. J'ai acheté ça et une amie qui a accouché il n'y a pas très longtemps. Donc juste la bricole rajoutée dans le paquet, le colis de naissance. Hop, voilà, ça c'est des petits bavoirs. J'adore ces bavoirs-là, je les trouve trop beaux. On peut les remettre quand ils font les dents, quand ils bavent, tout ça. Blah. Donc du coup, voilà, ça s'attache comme ceci. Hop, ça, ça coûte un bras d'habitude. Là, j'ai déjà enlevé le prix. Je crois que c'était 3,50€, quelque chose comme ça. Et là, il y a les petites moufles qui vont avec, assorties au bavoir. Voilà, donc ça, c'était pour la copine. Hop, voilà. Elle ne fait pas de scrap, elle ne regarde pas mes vidéos, donc tout va bien. Vous inquiétez pas, elle ne sera pas au courant avant. Hop. Ensuite, on est parti. Donc ça, c'est de la marque Artemio. Je l'ai payé 79 centimes. Voilà. Et c'est des petites pinces à linge. Voilà, je ne sais pas si je vais les garder en tant que pinces à linge. Enfin, avec la pince à linge de l'autre côté. Ou si je vais l'enlever. J'en sais rien. Je vais voir. Mais bon, je sais que ça s'enlève facilement. Vous pouvez récupérer la partie du dessus et utiliser la pince pour autre chose. Selon ce que vous voulez faire, voilà, pince à linge en bois, il y a marqué. Donc de la marque Artemio. Ensuite, pour 2,50€, toujours pareil, de la marque Artemio, 5 x 15mm par 5m. Donc j'ai trouvé du washi, j'avais dit évidemment que j'en reprendrai plus parce que j'en ai un panier plein. Mais j'ai trouvé celui-ci, j'ai pas trop de rouge en fait, donc du coup je l'ai trouvé sympa. Hop, je vais vous l'ouvrir. Voilà, bien ici toi. Il a l'air de bonne qualité. Par contre, vous touchez. Donc il y a celui-ci avec des petits pois blancs. Celui-ci à rayures. Alors hop, pourquoi le focus ne se fait pas? Voilà. Des petites étoiles. Des petits cœurs. Tout est petit aujourd'hui avec moi. Et les petits carreaux, voilà. Modèle Vichy. Hop, donc là je vous ai dit le prix, oui, 2,50€, voilà, 2,50€, bon ben il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait non, pas non plus très très cher. Ensuite, pour 59 centimes, hop, j'ai trouvé, c'est des stickers autocollants, donc voilà, c'est des roues. Des rouages, hop, et c'est de la marque, vous devez le voir, moi pas, EK Success, bon, je connais pas, mais bon, ils ont l'air de bonne qualité, c'est toujours pareil, c'est du glossy, je suis très glossy en ce moment, hein. Faut que ça brille, hein. faut que ça brille, ensuite, de la dentelle, hop, là, il y en avait de la rose aussi, mais c'était un rose, j'avais envie de vous dire, fané, passé un peu, et ça me plaît pas trop comme rose. J'aime bien le rose un peu soutenu, donc ça, c'était 99 centimes. Puis bon, je suis fan de bleu et de vert, donc ça, c'est bleu-vert. Ça réunit tout ce que j'aime. J'ai trouvé sympa. Il y en a 1 mètre, garniture décorative. Art C, pour la marque, voilà, du coup j'ai ça, ensuite, ah ben il y avait quelque chose qui n'était pas scrap aussi, tiens, oui j'ai pris ça à mon fils, voilà, Huggy et les cafards, et ça se trace devant ça,
Il rigole, je l'entends rigoler des fois dans les autres pièces. Donc du coup, hop, 2,99€, c'est un Blu-ray. Ça doit être quelques épisodes, je suppose. Pardon. Oui, je suppose que ça doit être quelques épisodes. Ah ben non, c'est le film. Ah ben j'avais pas vu. Voilà, c'est le film. Marqué là. Poc, le film. Trop bien. Contente. 2,99€. Voilà. Bon, le reste, c'est scrap. Le reste, c'est du scrap. Ensuite, il y avait ces cartes. C'est de la marque Image et Édition. Donc, pour 50 centimes, j'allais vous dire 59, mais même pas 50 centimes. C'est des cartes où on peut mettre une photo à l'intérieur. Donc, je me suis dit que si j'avais pas envie de mettre une photo, pourquoi pas, hop, mais faire un checker ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Mais je vois que. Alors, attendez. Ouais, c'est ouvert par en haut. Si ça doit pouvoir se faire en s'ouvrant sur le côté, oui, ça doit pouvoir se faire. Je pense que ça pourra se faire. Si j'ouvre là, très très fin en coupant sur le côté, je peux très bien faire un checker et refermer par derrière. Donc là, il y avait plusieurs modèles. J'ai pris celui, hop, avec les petits os. Voilà. Donc là, il y a quoi dedans? Il y a 6 cartes et 6 enveloppes. Alors, les enveloppes, elles sont simples. Hein. C'est des enveloppes blanches toutes simples. Mais bon, pour 50 centimes, voilà quoi. 6 cartes, bon, c'est toutes les mêmes. Hein. Les cartes, elles sont toutes pareilles. Voilà. Mais bon, après, vous choisissez votre modèle et ça peut être sympa. Vous pouvez faire des choses différentes. Vous pouvez même mettre une photo, hein, la photo de votre chien, la photo d'un chien que la personne aime. Pour faire plaisir, les gens, ils aiment les animaux bien souvent. Et c'est tant mieux parce qu'ils nous le rendent bien, moi, je trouve. Voilà, entre parenthèses. Ensuite, hop, il y avait ça. Donc ça, c'était neutre. C'est pareil, c'était 50 centimes. C'est de la marque Papicolor. Il y avait au moins une dizaine de couleurs. Du jaune, du parme, du violet, du orange, du vert, du bleu. Enfin voilà, il y avait plusieurs couleurs. Donc ça, c'est pareil. Hop. C'est pour mettre une photo à l'intérieur. Je vais vous montrer comment ça se présente. Je crois que j'en ai pris une ou deux couleurs de plus. Donc il y a 6 cartes, pareil. Voilà, et là par contre, ouais, là ça sera être. Ben, il y aura moins de travail quoi, pour faire le checker. Du coup, hop, ça se présente comme ceci. Alors, ou vous collez votre photo derrière, ou vous faites un checker, ou vous collez photo plus checker, ou. Voilà, il y a plusieurs possibilités et ça peut vraiment être sympa. Avec du rhodoïde aussi. Par derrière, je pense que ça peut bien donner. Il me semble que j'ai pris une autre couleur, deux autres couleurs. Oh, mais j'ai fait des folies à 50 centimes. Oh là là! Oui, j'ai pris trois autres couleurs. Truc de fou. Je me suis lâchée. Donc, toujours 50 centimes, le même prix. Donc, j'ai pris vert, mais c'est pas le même. Déjà, c'est pas le même vert. Et puis, en plus, c'est pas la même. Ah, la même carte. Vous voyez, celle-ci était ouverte en grand. Hop, voilà. Et là, j'ai que le haut. Voilà. Donc ça change un peu. Celle-là, c'est pareil, 50 centimes. C'est du gris très 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 clair, presque blanc. Voilà. Et ensuite, c'est du jaune. Hop, 50 centimes, pareil. Voilà, du jaune un peu pétard. Moi, j'aime bien le jaune. Puis on va arriver au printemps, on finira bien par y arriver. Donc, je trouve que c'est des couleurs qui font bien. Ces trois couleurs-là pour le printemps, j'aime bien. J'aime bien plus ça, ça peut faire même hiver. Hein, le vert foncé. Donc, 50 centimes chaque. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, oh, je vous ai dit que j'avais pas trouvé de grand chose, mais finalement, le sac, il y en a encore pas mal quand même à l'intérieur. Donc, ça pour 59 centimes, c'est pareil, moi, ils y étaient encore pas là la dernière fois, mais là, ça date quoi, ça commence à dater. Donc, là, c'est la marque Artemio, c'est des blocs que tout le monde connaît. J'aurais pu l'ouvrir comme d'habitude avant, hein, mais. Je sais pas. Ah ben si, ça va. Pour vous montrer l'intérieur du.
Oh, et encore, j'ai pas fait trop de bruit. Hein. Voilà, l'intérieur du bloc. Il y a plusieurs modèles de feuilles à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, il y a à chaque fois, pour chaque modèle, ça se fait que... Alors, attendez. 1, 2. Ouais, il y a deux modèles à chaque fois, et sauf pour le premier, où il y a... Enfin, il y a deux feuilles à chaque fois, sauf pour le premier, où il n'y en a qu'une. Ah non, c'est qu'elle était collée, la coquine. Voilà. Ça m'étonnait parce que le bloc... Ben non, 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 c'est ça. Alors, attendez. Ouais, non, non, c'est ça, c'est qu'il était collé. Il était collé là. Voilà. On y est. Donc, du coup, ça fait ça. Hop. Voilà. Pour 59 centimes, c'est des blocs qui sont super mignons. J'avais envie d'en customiser un. Après, voir ce que ça donne. Ou pour le mettre dans une créa, je sais pas. Ça sera à voir. À voir tout ça. J'en ai des choses à voir. Et pas fini. Hein. Ça, c'est des sachets à bonbons. Donc, 79 centimes. Vous allez me dire pourquoi l'acheter des sachets à bonbons. Il y a 24 sachets à bonbons à l'intérieur. Voilà. C'est de la marque Artifact Factory. C'est marqué là. Hop. Et c'est pas pour mettre des bonbons ou pourquoi pas, c'est pour mes envois parce que je fais beaucoup d'échanges. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent échanger ou enfin voilà, qui demandez-moi en commentaire, je suis complètement open. C'est vraiment volontiers, comme je vous l'ai dit dans ma présentation de chaîne, quand j'ai ouvert la chaîne, le but était de faire des échanges, donc allez-y, faites-vous plaisir, moi ça me fera plaisir, ça sera volontiers. On passera en message privé après, et on s'échangera les adresses si on ne se connaît pas. Puis si on se connaît, pourquoi pas faire un échange de ce que vous voulez. Puis enveloppe, ATC, carte, voilà, n'importe quoi, ce que vous avez envie. Donc du coup, je mets souvent dans mes échanges quelques petites bricoles, des petites scrap bidules. Et c'est vrai que ça, c'est bien pratique, j'ai trouvé ça bien pratique. Pour pouvoir glisser des choses à l'intérieur, n'importe quoi, un sachet de thé, des... voilà. Des petites bricoles comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est rayé jaune et blanc. Voilà. Et il y en a 24, donc il y a de quoi faire là aussi. Ensuite, ça c'est c'était 1 euro. Voilà, ça c'est mon mari qui l'a trouvé. Je vais faire du bruit. Je voudrais vous montrer comment c'est en étage à l'intérieur, parce que là, vu comme ça, c'est sûr que... Donc, c'est un cahier tout simple, c'est à customiser, évidemment, hein, on va pas laisser ça comme ça, tout moche, tout blanc. Donc, voilà, il y a un paquet de feuilles à l'intérieur, je sais pas si c'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué, il n'y a aucune explication. Donc, les feuilles sont assez fines, c'est du papier d'imprimante, voilà, pour tout vous dire. On peut en faire quelque chose, je pense que j'avais acheté un truc comme ça en long, moi, que j'avais customisé pour faire le cahier de pour le baptême à mon fils, le cahier, vous savez, le cahier de, oh, comment ça s'appelle ça, de souvenirs, là, où on marque, où tout le monde marque des mots dessus, et c'était pas mal, parce que ça suffit largement, hein, les feuilles, mais bon, j'avais payé ça, j'avais pas payé ça 1 euro, hein. J'avais payé ça, je crois, 10 ou 12 euros, je trouvais ça super cher, et c'est la seule chose que j'avais trouvé, donc je l'avais pris quand même, mais c'était super cher, quoi, tandis que là, bon, ben, 1 euro, je me dis que j'en ferai toujours quelque chose. Hop, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un pochoir Crazy Art. Là, c'est pareil, il n'y avait que celui-là. Je l'ai trouvé joli pour 1,50€. Là, les pochoirs à Noz, j'ai l'impression, de Crazy Art, ils sont toujours au même prix, c'est 1,50€. Bon, ils sont, tout le monde les connaît. La dimension 11,5 sur 19,5. Hop, vous avez de quoi les attacher là, si vous avez un petit classeur. Hop, les dimensions sont là. Voilà, et quand je vous disais que tout le monde les connaît, c'est surtout pour la qualité, quoi. C'est de la qualité. Il n'y a pas de souci, vous prenez pas de risque avec les pochoirs
Crazy Heart. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est un kit. Il y a marqué Scrapbooking Kit. C'est 12,7 cm sur 17,78. Des fois, il vaut mieux parler en... Hein. Bon. Donc dedans, il y a un album carton gris, 8 faux brillants, 10 papiers, un embellissement et des pièces. Il marque des pièces. Donc j'ai payé ça, hop, 2,99€. Mais bon, apparemment, hop là, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur, vite fait, parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Et ben voilà, évidemment, vite fait, ça, ça va pas être possible. Est-ce que j'ai un ciseau, là? Pour vous ouvrir ça, quand même, voir ce qu'il y a dedans, si vous avez envie d'acheter ou pas. Ben non, hein, ça veut pas, donc on va faire ça comme ça. Voilà, des fois, la méthode... La plus simple et la mieux. Alors, s'ils m'ont mis des scotchs sur le côté, non. Non, ça va. Non, parce que sinon, j'en finis plus. Il vaut mieux que je coupe la vidéo, que je reprenne. Donc là, hop, on a un petit autocollant monté en 3D. Je vais vous montrer ça. Voilà, monté en 3D. Il y a marqué « Celebrate ». Voilà, c'est brillant. Ensuite, là, on a des petits strass. Et tout ça, là, décidément, il y a du scotch de partout. Tout ça, c'est des die cuts. Voilà, il y a de la mousse 3D derrière. Donc, ils sont jolis. Hein, voilà, ça, c'est l'arrière. Ils sont drôlement jolis. Ouais, c'est la célébration, quoi. Pour célébrer les choses. Et un mini album. Oh ma chère, je ne pensais pas qu'il soit aussi joli. Alors attendez, on va enlever ça de là parce que ça me gêne. Donc que je vous le montre, il est comme ceci. C'est attaché hop par un petit ruban. Ensuite, bon, il n'a jamais été ouvert évidemment, c'est neuf. Donc là vous avez des pages comme ceci. C'est des pages qui sont un peu plus épaisses que des pages d'imprimante. Apparemment, hop, donc voilà, il faut pas trop les charger non plus, mais je pense que ça peut tenir le coup largement, hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même épais, quoi. Après, c'est pas du cartonnage, hop, bon, pour le 2,99€, voilà, c'est pareil, ça vous allez me dire, on peut le faire soi-même, mais... Des fois, c'est sympa. Moi, j'aime bien acheter des kits et suivre le truc. Ça change un peu. Voilà, hop. Ça, c'est joli aussi. Et voilà pour la fin. Donc, il y a quand même pas mal de pages. L'album est quand même... Ça va, ça a l'air assez costaud. Ça, c'est de la couverture. C'est du dur, c'est du cartonnage. Hop, voilà. Donc, c'est joli. Je trouve ça super sympa. Hop là. Voilà, ça, ça et ça, ça va avec ça. Hop là. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour 1,99€. Voilà, donc c'est de la marque Artemio. Hop, ça c'est pareil, c'est un kit. Alors, qu'est-ce que c'est qui a marqué 7 de carterie. Hop là, donc 7 de carterie, je vais pareil vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est pareil, ça sera pour l'année prochaine étant donné que Noël est fini, donc ça se présente comme ceci, là vous avez des enveloppes, attendez, hop, là c'est des enveloppes, il y en a 10 à chaque fois je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 même, où est-ce que c'est marqué? Eh ben dis donc, 20. Pourquoi 20? Alors, pour de bon, j'y vois plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ma foi, bon, enfin, il y a 11 enveloppes pour moi. Voilà, qui se présentent comme ceci. Ensuite, voilà aussi, s'ils me les cachent, le reste est là. Voilà, ça doit faire 20 au total. Ensuite, nous avons hop, des autocollants. Voilà. Là.
Voilà. Et ensuite, ben, des feuilles. Voilà, c'est du papier, papier à lettres. Donc, d'un côté, c'est comme ça. Et de l'autre, vous avez ce modèle-là. Voilà. Et les autres, c'est pareil. C'est les mêmes. Ça a l'air d'être les mêmes parce que je vois le petit bonhomme là. Hop. On va voir ça tout de suite. Oui, voilà, c'est les mêmes. Celle-là et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Donc, ça, c'était, on a dit, 1,99€. Donc, ça va, je pense que pour 1,99€, c'est bien. Ça peut être sympa. On peut faire certaines bricoles avec, je pense. Pas le laisser peut-être pas comme ça parce que... Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais ouais, ça fait très Noël traditionnel. Et derrière, il est comme ça. Hop, voilà. Ah, j'ai une mèche de cheveux qui passe là. Il y en a un qui s'est perdu. Un tampon, donc stamp timbre Momenta. Donc là, hop là, il y a marqué Family, Love... Voilà, donc j'aime pas trop les trucs en anglais, mais là, vu le prix et voilà, you are family, c'est des mots together, tout, c'est des mots que tout le monde connaît, quoi. 59 centimes, voilà, donc la planche est comme ça. Tampon clear. Ensuite, rebonjour à tous. Je suis désolée, je reprends la vidéo à ce niveau-là. Pour vous ça aura rien changé, mais pour moi c'est le lendemain parce que mon portable était plein, il avait la mémoire pleine, donc il a fallu que je le vide et que je fasse la place pour la fin de la vidéo. Et ben, du coup après c'était trop tard pour finir de tourner la vidéo puisqu'il a fallu donner le bain aux enfants, enfin bref, bon voilà. Donc du coup je suis là, il me reste deux petites choses à vous montrer. La luminosité du coup ben, aura changé, je suis désolée parce que c'est 9h30 du matin, mais il fait un temps pourri et du coup ben, je peux tourner que maintenant. Donc si je tourne pas maintenant, vous l'aurez jamais la vidéo et ça m'embêterait fortement. Donc du coup je vous disais, il me reste deux petites choses à vous montrer. C'est ceci. Donc ça, je l'ai payé 3,99€. C'est un nouvel album, petit cette fois. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Je dis petit, mais il est quand même de taille 20,3 par 20,3 cm. Hop, voilà. C'est de la marque First Edition Album. Hop, elle est là. Clic-clic. Voilà. Et vous allez me dire, avec tous les albums que j'en ai pour la Videra, mais bon, ça me plaît. Donc petit à petit, je vais les faire. Voilà, celui-ci, c'est pour les voyages que je l'ai pris. Les petits week-ends, où je pense que je vais en faire un pour celui-là. Je vais le garder pour un petit week-end qu'on avait fait. Il faut que je tire des photos. Mais je vais le faire. Donc il se présente comme ceci. Là, c'est toujours pareil. Il y a une couverture hop, transparente. Ensuite, les pages, c'est toujours les mêmes. Là, vous pouvez glisser, voilà, les pages à l'intérieur. Elles sont transparentes et il y en a 20. Hop, voilà, voilà. Et la reliure du bout, hop là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Elle est comme ceci. Voilà. Là, et ça se présente comme ça, c'est du cartonnage. Moi, je trouve ça joli. Donc, pour 3,99€, voilà, un petit album photo, un autre à faire. Ensuite, la dernière petite chose que j'avais à vous montrer, c'était ceci. Donc, c'est déjà hop, ouvert, pour éviter cette fois le bruit. Donc, je l'ai payé 2,50€, voilà. Et c'est des feuilles. Hop. Donc là, il y en avait, il y avait au moins 6 ou 7 modèles de ce bloc-là. J'en ai pris qu'un parce que j'ai des feuilles à revendre. Donc il faut vraiment que je les passe. Mais celui-là, vraiment, il m'a plu. Il y a 36 papiers à l'intérieur. C'est du
Il marque 7 pouces, pas 7 pouces. Je ne sais pas si ça vous dire quelque chose. Et il y a hop, 18 modèles. Donc, 2 modèles à chaque fois de chaque papier. Donc, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça fait un peu vintage. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, alors là, bon, les papillons, évidemment, c'est limite ce qui m'a fait prendre le bloc. Hein. On est d'accord. Ça aussi, j'aime bien. Bon, celui-là, avec l'oiseau, là, il est magnifique. Hop. Voilà, donc comme je vous disais, il y a 2 feuilles à chaque fois. Les feuilles sont quand même assez épaisses. C'est quand même de la bonne qualité. Donc, je sais pas le... Paper Designer, il y a marqué dessus. Alors, à mon avis, ça doit être la marque. Voilà, ça c'est plus simple. Hop, là, ça c'est joli. Motif géométrique. Là, et on arrive dans les derniers. Le dernier, hop, alors il vient ou pas? Voilà, il est là. Voilà, donc pour 2,50€, voilà, le bloc Paper Designer. Et je vous dis, il y en avait des roses, il y en avait sur les tons verts, tons orange, jaune. Voilà, mais bon, après, on ne peut pas partir avec tout. Hein. C'est pas possible, même si on aimerait bien. Mais après, il faut avoir la place aussi. Hein. Il faut déjà faut avoir les sous et ensuite, il faut avoir la place. Et j'ai pas les deux, donc du coup, ben, je me limite un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, sur ce, j'espère que ça vous aura fait plaisir de regarder cette petite vidéo. Enfin, petite, qui ne doit pas être petite d'ailleurs, hein, parce qu'entre les deux morceaux, je pense que ça ne doit pas être petit. Si c'est le cas, ben, laissez-moi mon petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses. Vos commentaires me font mes super plaisirs. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas, laissez des commentaires. Ça, c'est super agréable et ça permet, comme je vous disais, un échange. Donc, du coup, c'est toujours agréable. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!